c'est plutôt un point positif. On a été capable de revenir après une première mi-temps compliquée. Je crois que chaque équipe a remporté sa mi-temps. Les Lensois la première, nous la seconde. Je crois que c'est complètement logique que l'on revienne au score. On a pris un coup dur d'entrée avec ce pénalty, que l'on peut discuter, mais c'est un fait de jeu, c'est comme ça. Ensuite, on s'est libéré un peu en deuxième mi-temps, après avoir été timide, un peu timoré. On s'est libéré, et puis sur la deuxième mi-temps, c'est logique. On a 8 tirs contre 3, 3 frappes cadrées, 3-4 ballons déviés d'extrême justesse. Il me paraît logique qu'on soit revenu au score. Bien entendu qu'on a encore des progrès à effectuer, mais sur les deux derniers matchs, quand même, contre deux cadors de ce championnat, nous venons de prendre 4 points. Donc, je pense qu'on peut être satisfait. Ça fait du bien. Maintenant, il faudra être capable de mettre autant d'énergie, autant d'abnégation contre les équipes réputées un peu plus faibles, sans que ce soit péjoratif, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes faibles dans ce championnat. Mais aujourd'hui, on a montré encore des valeurs morales. Être mené 1-0 à la mi-temps par un tel temps, le temps était très lourd, c'était dur à répéter les efforts. Donc revenir dans un match contre une telle équipe dans ces conditions, ça montre que mentalement, l'équipe progresse. On ne lâche rien, on croit en nous, parfois de manière un peu désordonnée, je vous l'accorde, tout n'est pas parfait dans le jeu, ça pourrait être un peu plus juste techniquement, mais on est là, on ne lâche rien. Et donc ça c'est une base de travail qui est super intéressante. Bien entendu, on peut être satisfait sur les 3 derniers matchs, nous venons de prendre 7 points sur 9. On préfère regarder les choses dans leur globalité, 7 points sur 9 sur les 3 dernières rencontres, là... ce soir, nous sommes devant le RC Lens. Hein. On les maintient derrière nous. Qui aurait dit ça il y a quelques journées? Donc, on a envie de retenir le positif. Et je veux instaurer cet état d'esprit autour de l'équipe. Créer un climat positif. Je veux dire, on ne jouait pas n'importe qui ce soir. On s'est arraché, on est revenu. Donc, on n'est pas des gagne-petits, mais on est juste lucide pour l'instant.